Je me suis fait voler mon sac à plusieurs reprises en 6 mois. Et donc du coup, au lieu de tout racheter, j'ai tout refabriqué moi-même. Et puis après, on m'en a demandé autour de moi. Et puis j'ai commencé à en vendre. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. En fait, au début, j'avais choisi Georgette. Pour son côté un peu désuet, décalé. Et puis, après avoir commencé à les diffuser sous la marque Georgette, ça n'allait plus car il y avait une autre marque qui s'appelait aussi Maison Georgette. Je voulais rester dans le même esprit. Et voilà, après plein de recherches sur ces noms un peu désuets en hête, petit coup de cœur pour Morissette. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai choisi. Mes journées sont partagées entre aller à mon atelier en dehors de Paris pour préparer des kits, découper des tissus et aller voir mon atelier à Paris pour lui donner le matériel, moi récupérer ce qu'il a fait, des rendez-vous de boutique, aller acheter des matières, des fournitures. Et puis c'est aussi beaucoup d'emails, de relations avec les clients, gestion des commandes, prospection, faire les comptes, vérifier les stocks, essayer de communiquer un petit peu. Voilà, donc c'est un mix de tout ça, donc aucune journée ne se ressemble.